Bonjour, bonjour, bonjour. OK, alors, bienvenue au huitième épisode de Contraption Maker. Alors, cette fois-ci, je pense que j'ai la solution. J'ai enlevé une étape de ma machine, ce qui est jamais le fun. C'est jamais le fun d'enlever des étapes, mais là, j'étais tanné d'essayer de faire fonctionner la machine qui tire la corde pour activer la génératrice. Alors, j'ai tout simplement directement mis mon hamster sur ma génératrice pour sauver une étape. Donc, on va voir si ça fonctionne. Donc, voyons voir qu'est-ce que ça donne. On va l'accélérer un peu. Excellent, ça va. Ok, donc je dois aligner un peu mieux ma boîte à jouets ici. Essayons ça. Oups. Ah oui, l'autre chose que j'ai faite aussi, vous allez peut-être remarquer. J'ai changé mes engrenages ici pour avoir deux petits engrenages puis un gros. La raison pour ça, c'est que je veux que la fusée se fasse activer beaucoup plus rapidement que la boîte à jouets. Parce que je veux que ma boîte de livraison ait la chance de tomber sur mon jouet. Le chat a pas l'air d'avoir trouvé ça plaisant. Alors, je vais revoir c'est quoi mon problème ici. Ok, le mur est un problème. Il est trop haut. Si j'ai juste un bloc de mur, ça marche-tu? Voyons voir. Ah! Non. Ok. Plaçons ça ici, pour le fun. Voir si ça fonctionne. Ah non, c'est vrai, j'ai besoin de quoi pour... Ok, donc j'ai besoin d'un... un sol pour ma fusée. Essayons ça. Oh, presque! Ah, attends, si je mets la fusée ici puis que l'explosion se fait... Ok. C'est juste besoin que l'explosion soit... La pousse dans cette direction-là. Un peu trop. Oui, ok. Je veux que ça aille dans l'autre direction. Ah, j'aimerais pouvoir le faire aller plus loin. Comment je pourrais donner plus de force à ma boîte? Mais pour le fun, regardons où on est rendu avec ça. Ok, voyons voir ça. Pauvre petit chat. Ok, qu'est-ce que je peux ajouter à ceci? Je veux que le voyage vers la gauche du chat soit plus le fun. Voyons voir qu'est-ce que je peux faire. Je pense que je vais faire une pente de ski ou quelque chose. On le fait jouer une dernière fois. On voyant le pauvre chat. Au pôle Nord. Boum. Salut chat! Ok, merci d'avoir regardé. J'ai eu beaucoup de fun avec Contraption Maker. Les points forts sont définitivement le plaisir, le fait que tu peux essayer plein de différentes choses. Probablement qu'éventuellement, il y aura beaucoup plus de morceaux. J'aimerais bien voir ça dans le jeu. Les défauts sont qu'il n'y a pas de version française. Mais c'est à peu près ça. Le tutoriel était vraiment bon. Je vous le recommande fortement. Allez vous amuser avec ça et on va se voir avec un autre jeu dans le prochain épisode. Merci beaucoup d'avoir regardé. Salut!